Salut tout le monde, aujourd'hui petite recette, des petits gâteaux au chocolat, c'est parti! Pour ce faire, il vous faut 180 g de chocolat pâtissé, 4 œufs entiers, 4 jaunes d'œufs, attention de bien séparer les blancs des jaunes, 200 g de sucre, 300 g de farine avec un demi-sachet de levure chimique. Ici, il vous faut 200 g de beurre. Mettez le beurre à fondre au bain-marie. Une fois que le beurre est à moitié fondu, ajoutez-y le chocolat. Sinon, mettez-le au micro-ondes. Ça peut le faire aussi. Dans un saladier, j'y incorpore mes 4 jaunes d'œufs. Ainsi que mes 4 œufs entiers. Remuez énergiquement afin de mousser les œufs. En fait, il vous faut les œufs qui moussent. Une fois ceci fait, y incorporez le sucre et bien mélanger histoire de blanchir les œufs. Vous verrez, votre appareil, elle va changer de couleur et elle va légèrement blanchir. Ensuite, dans un chinois, j'y incorpore la farine avec la levure chimique. Je viens tapoter et s'il me reste un petit peu de levure chimique, je viens tout simplement l'aplatir avec une maryse. Je viens ici y mélanger délicatement, histoire que tout se fonde bien. Et normalement, vu que vous avez tamisé votre farine, vous n'avez pas de grumeaux. Voilà, pas de grumeaux. Enlevez le chocolat et le du bain-marie. Attention, c'est très chaud et remuez délicatement histoire de mélanger le beurre et le chocolat. Faites pas comme moi, ne mettez-en pas partout. Mettre le chocolat fondu avec le beurre dans l'appareil et avec la maryse, venir touiller délicatement, venir mélanger délicatement les deux appareils. Pendant ce temps-là, le four doit être préchauffé à 180 degrés. C'est très important d'avoir un four bien chaud. Le fait d'avoir utilisé une maryse, ça vous permet de bien gratter sur les contours. Remplissez les moules. Moi, j'ai choisi des petits moules à cake. Mais vous pouvez très bien le mettre dans un gros moule. Le temps de chauffage, le temps de cuisson va être différent. Enfournez le tout. Ici, 15 minutes pour les mini cakes. Et dégustez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser le petit commentaire. Et sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Salut, salut!